Bonjour et bienvenue à Pensebête.tv. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la maladie bactérienne leptospirose. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez aucune idée sur quoi portera l'émission d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a rejoint sur le plateau la médecin vétérinaire Nancy Morin qui sera là pour nous parler. Leptospirose, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? En fait, c'est une bactérie que surtout les chiens peuvent contracter et ça se contracte dans l'eau. Alors, on, on garde un peu de suspense pour la suite de l'émission, mais tout d'abord, on va voir notre topo pense-bête du jour. Euh, donc aujourd'hui, je suis avec mon chien Scar pour vous parler un petit peu de comment bien profiter de la forêt avec nos compagnons canins. Euh, donc, qu'est-ce qui peut être intéressant pour commencer vos sorties En fait, c'est de laisser votre chien explorer l'environnement. Donc toujours en laisse parce qu'on euh, ne sait jamais qui, qui peut avoir, s'il y a d'autres chiens, s'il n'y aurait pas un animal sauvage ou autre. Euh, moi, ce que je vous recommande, souvent les laisses à cheval sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont grandes. Ça nous permet d'avoir aussi euh, plus d'amplitude avec les mouvements du chien. Sinon, les longes à cheval qui sont comme de 15 mètres, qui nous permettent de laisser beaucoup de liberté au chien tout en, le, en ayant un certain contrôle sur lui. Donc une fois qu'on laisse l'animal sentir un peu partout en forêt, c'est intéressant aussi de euh, peut-être garder la longe ou la laisse continuer son chemin, euh, puis faire souvent des changements de direction pour que l'animal apprenne à nous chercher. Donc plutôt de toujours garder une ligne droite, euh, de couper à travers les sentiers, des fois aller se cacher en arrière d'un arbre pour euh, aider vraiment le chien à chercher l'humain, donc c'est sa job à lui de vous trouver. Euh, vous pouvez toujours le récompenser quand ça c'est fait. Euh, pour que le chien garde l'habitude de surveiller vous êtes où, que vous ne prenez pas toujours le même chemin, euh, qu'il doit vous surveiller en forêt, comme ça, ça l'âge vous sorties parce que vous ne passez pas votre temps à rappeler votre animal tout le temps. Donc on peut jouer comme ça dans les sentiers, faire des changements de direction récurrents. Euh, encore une fois, à chaque fois que le chien nous offre un regard lorsqu'il est en liberté en forêt, c'est ça qui va nous permettre à la longue d'avoir un chien qu'on a euh, très peu besoin de surveiller parce qu'il est toujours en train de nous offrir des regards ou euh, de vouloir être appelé. Ils ont aussi leur propre plaisir, que sont le déboisement. <laughs> Donc, euh, souvent euh, en forêt, comme on peut voir mon chien en ce moment, les chiens vont prendre des petits objets, les manger. Euh, à moins que ce soit un objet qui soit vraiment dangereux pour la vie du chien, euh, donc la vitre ou autre, euh, sur lequel je ferais vraiment un échange, j'essaierais de trouver vraiment quelque chose qui est intéressant pour le chien, une balle, un morceau de bois pour l'échanger, parce que souvent quand on court vers le chien pour aller le prendre, la, son premier réflexe, ça va être de l'avaler. Euh, donc, je laisserai l'animal faire et j'essaierai plutôt de le distraire, de courir en direction <laughs> opposée ou de, de prendre un de ses jouets préférés. Euh, plus rarement qu'on pense, en fait, son, nos forêts, on est chanceux au Québec pour ça, n'ont pas de choses très dangereuses pour les chiens. Euh, oui, manger en grande quantité, mais sinon, habituellement, ça va. Donc, euh, de ne pas en faire un cas continue le, le chemin, donc ça enlève l'habitude aux chiens que quand il y a quelque chose dans la bouche, on veut lui prendre, ce qui, par euh, l'occurrence, au long terme, va faire que les chiens vont beaucoup moins souvent manger les objets en forêt et se, vraiment se concentrer sur <laughs> Qu ce qui est agréable, c'est-à-dire euh, les gros morceaux de bois. <laughs> Il y a certains lieux qu on est certain qu'il n'y a personne, par exemple une rivière <laughs> ou un petit clan, euh, un, petit, un petit cliff comme ça ici, ou que euh, c'est certain que moi je connais mon chien, je sais qu'il adore son bâton. En tout cas, c'est une manière facile de fatiguer son chien. <laughs> deux trois petites montées comme ça, mais. <rire> Oups! <laughs> Problème un technique! <laughs> une autre chose que euh, j'observe beaucoup aussi au niveau du comportement canin et euh, des sentiers des marches en forêt c'est comment on sous-estime euh, la, la distraction au niveau des chiens, c'est-à-dire que des gens qui courent, des gens qui te font, euh, d'autres chiens qui marchent, euh, le fait qu'il peut y avoir la fonte, donc d'autres oiseaux, des chevreuils, euh, ça peut beaucoup jouer sur l'obéissance que vous avez sur votre chien. Et dans ces moments-là, d'où la pertinence en fait, d'avoir un chien qui est en laisse parce que ce n'est pas tout le monde qui est confortable avec ça, euh, d'avoir un chien qui nous fonce dessus, par exemple. Euh, mais aussi, aussi c'est très important de laisser le chien euh, être confortable dans ces environnements-là. Et la laisse, c'est un excellent moyen parce que c'est votre relation à votre chien qui est travaillée dans ces situations-là. Et ça nous permet de toujours avoir un contrôle sur notre animal. D'autant plus que c'est considéré illégal d'avoir un chien loose dans des environnements publics. Donc, de vraiment travailler notre, notre appel, la socialisation, en fait, aux humains, aux autres chiens. Et c'est sûr que notre chien a un beau focus envers nous. C'est des, des règles vraiment à suivre. Et c'est sûr aussi qu'on peut avoir un civisme en société avec nos animaux. Euh, à cet effet-là, je vous suggère vraiment de faire affaire avec un, un éducateur canin ou quelqu'un qui peut vous aider à développer cette relation-là avec votre chien pour que votre chien en profite au maximum, qu'il puisse aller sortir dehors, se baigner, euh, profiter des sentiers et être avec vous en tout temps. Dans Annecy, leptospirose, on dit que c'est une bactérie qui se développe dans l'eau en, ou encore qui vit dans l'eau, mais, mais, mais encore. En fait, un chien peut attraper la leptospirose dans toute eau qui est stagnante. OK. Donc, on parle de plans d'eau comme un lac. Euh, Des étangs. Des étangs, OK. Juste un petit, un petit trou d'eau, en fait, là, où il y a de l'eau stagnante. Quand on parle de la mer, quand on parle d'une rivière très active, un peu moins, mais moindrement qu'il y a de l'eau un peu stagnante. Et surtout dans une région où il peut y avoir beaucoup de pluie quand c'est humide, c'est une bactérie qui, se, qui est vraiment présente. Là. Beaucoup dans des pays tropicaux, on voit ça, puis on entend parler, là, les gens qui se baignent dans des eaux, qui pourraient C'est cette bactérie-là qui pullule, là, puis qu'on qu appelle la leptospirose. Là. Et comment elle se transmet? Parce que, bon, là, on comprend que c'est une bactérie qui est présente dans l'eau. Euh, comment est-ce qu'elle fait pour se, se propager euh, auprès des espèces animales? En fait, un chien qui va se promener dans les bois, dans les boisés, et on le sait qu'il aime bien euh, des fois prendre une petite lampée d'eau ici et là. Fait que s'ils si, boivent cette eau-là, c'est là, là qu'ils peuvent contracter la bactérie et la développer. S'il y a une lésion aussi, si on a une petite coupure sur un coussinet, ou même, tu sais, nous, là, si on, on, on trempe dans de l'eau, qu'il y a de la leptospirose, puis il y a des lésions, ça peut rentrer par des plaies. Donc, c'est comme ça, habituellement, que les animaux là, contractent la maladie. Et est-ce qu'on peut. Euh, est-ce que c'est contagieux? C'est-à-dire, est-ce qu'un animal peut la transmettre à un autre animal? De quelle façon est-ce que ça se transmet euh, euh, à un animal, par exemple, qui, qui serait infecté, un animal sauvage? Est-ce qu'il peut laisser la, la bactérie dans un plan d'eau qu'il qu visiterait sur son passage? En fait, c'est une bonne question, Stéphanie. C'est l'urine. C'est vraiment les animaux qui sont contagieux, qui vont excréter la bactérie par l'urine. Et là, l'urine va aller dans l'eau et c'est là qu'on attrape la bactérie. Euh, par exemple, un chien qui serait atteint de l'eptospirose pourrait... À être contagieux pour les personnes de la famille avec l'urine. Fait que si on est en contact avec l'urine de cet animal-là et qu'on aurait on aurait des lésions sur les mains, c'est là, à ce moment-là, qu'on pourrait contracter la maladie. Et là, on parle de maladie parce oui. que oui, c'est pas juste une, une bactérie. et Elle a quand même des conséquences à l'intérieur oui. du corps de l'animal. Oui, effectivement, chez le chien, il vient quand même assez malade. Ça l'atteint surtout les reins. En fait, ça peut causer ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Fait que la bactérie va se loger au niveau des reins, fait des dommages, puis aussi s'installer au niveau du foie. Je crois que chez l'humain, c'est un petit peu plus au niveau du foie où ça s'installe. Et là, quand notre foie est atteint, on en découle de tout plein de choses. En fait, les signes cliniques qu'on appelle, qu'on peut voir chez notre animal s'il aurait contracté cette bactérie-là, euh, c'est vraiment euh, de boire beaucoup, d'uriner beaucoup, qui est un signe d'atteinte rénale. Euh, manque d'appétit, vomissement, perte de poids. Fièvre aussi, c'est possible. Donc, c'est là qu'on va consulter puis que nous, on peut faire des analyses là, pour voir. Est-ce que ça peut être euh, facile de se tromper entre la leptospirose et, par exemple, une infection urinaire au, au niveau des symptômes, par exemple? Ben oui, Stéphanie. Puis c'est pour ça que parfois, ça peut être, on appelle sous-diagnostiqué, un animal qui se présente en clinique vétérinaire qui est très malade et puis que là, on voit que les reins sont atteints. Parfois, Côté budget, côté éthique, les gens arrêtent de faire les tests là. On ne peut pas pousser les tests un petit peu plus loin. Fait que si l'animal est euthanasé là, on ne pourra pas savoir si c'était de la leptospirose en tant que telle. Puis, ça serait important, là, quand vous allez consulter, s'il y a quelque chose au niveau des reins, ici si avec l'histoire du cas, et bien sûr, il ne faut pas dire que tout animal qui a, qui a un problème, Puis, infection urinaire n'a pas rapport avec infection rénale. Ah, c'est pas du tout à la même place. Bien, en fait c'est le même système, mais quand on parle d'infection urinaire, ça c'est quelque chose qui est hyper fréquent, donc euh, attention, on veut pas créer de, <laughs> de grosses paniques. Fait qu'une infection urinaire ça se ressent pas facilement, ça se diagnostique de façon différente, mais quand on a une infection rénale, l'animal est beaucoup plus malade. Là. Ok, hein? donc ça, beaucoup c plus mal en point. Beaucoup plus mal en point, et c'est important de faire ces tests-là pour savoir si votre animal était contagieux de cette maladie-là. Pour vous, faire attention après, parce que si vous avez été en contact avec l'urine de votre chien, il faut savoir de, de, pour avoir les, savoir les symptômes. Puis avoir le traitement approprié. Est-ce ben que, ça, est -ce que approprié. ça se traite, la leptospirose? Oui, ça se traite avec des antibiotiques, en fait. Quand c'est pris au début de la maladie, on peut vraiment euh, traiter avec des antibiotiques. Tu sais, je, je parlais, bon, chez, chez le chien, c'est des symptômes euh, généraux rénales. Chez, chez l'humain, c'est vraiment euh, des symptômes grippaux général. C'est de la fièvre, douleur articulaire et tout ça. Euh, ça se traite avec des antibiotiques. Malheureusement, quand les reins sont atteints, de fa Pis tout dépendant de la, de la quantité de bactéries qui ont attaqué les reins, Parfois, on peut rester avec un petit déficit au niveau des restes, ce qu'on appelle une insuffisance rénale, ou un petit problème hépatique qui peut persister. Là. Et là, euh, on en parle aujourd'hui de la leptospirose. Il y a peut-être une, une petite recrudescence des cas. Du moins, c'est quelque chose que, que toi, dans ta pratique, tu as eu oui. l'occasion d'observer. Toutefois, comme tu le mentionnais un peu plus tôt en, en, en début d'émission, c'est difficile à dire parce que peut-être qu'on se rend pas suffisamment loin tout le temps dans les tests là, pour pouvoir euh, détecter à chaque fois que ça se produit finalement. C'est ça, tu dans le Bas Saint-Laurent, les vétérinaires, on se parle beaucoup entre nous, puis il y a eu des cas, un petit peu plus une recrudescence, c'est peut-être un, une illusion qu'on a, mais là, on en a diagnostiqué, puis en fait, on en a diagnostiqué chez des chiens, des petits chiens qui n'allaient pas nécessairement vivre en forêt. C'est un petit chien qui allait parfois dans, se promener dans des sentiers, mais c'est un petit chien de ville qu'on qu a diagnostiqué, entre autres, le dernier. Euh, donc, c'est ça, il y a, il faut faire attention. Puis oui, il y a peut-être une petite recrudescence, peut-être avec les changements climatiques. Ou, euh, je parlais avec un vétérinaire de Québec, eux aussi, ils voient peut-être une petite recrudescence. Mais oui, il est peut-être aussi diagnostiqué il y a peut-être des chiens qui ont été atteints, puis qu'ils ont été très malades, dont les euthanasiés ou sont décédés, puis sans savoir que c'était la leptospirose. On a beaucoup parlé bon, de chiens depuis le début de, de l'émission. Est-ce que c'est une bactérie qui peut aussi s'attaquer au peu, euh, Très peu probable que le chat développe la leptospirose. C'est toujours possible, mais c'est très peu probable que les chats -ce... ils peuvent être. On peut, ils peuvent, ce on appelle, ils peuvent avoir, être porteurs d'anticorps, mais de développer la maladie comme le chien, très peu probable. Ah, oh, ok. Mmh. Et euh, maintenant. Euh, on parle de zoonose, un mot que tu m'as appris. Zoonose. Zoonose, un mot que tu m'as appris tout juste avant l'émission, euh, dont je ne connais pas la définition. Et j'aimerais qu'on en parle parce que en fait, la leptospirose. Est une zoonose, oui. Une zoonose, par définition, quand on parle de zoonose, c'est toute maladie qui se transmet de l'animal à l'humain. D'accord okay. La rage est une zoonose. OK, oui. Hein? La rage est une zoonose. La leptospirose est une zoonose. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que la, la leptospirose est une des zoonoses les plus répandues dans le monde pour créer de l'insuffisance rénale. Là. Les problèmes rénaux qu'on voit dans certains pays et tout ça, chez plusieurs, chez des populations entières, mais c'est dû vraiment à la leptospirose. De là, la qualité de l'eau qui n'est pas comme nos belles rivières ici qui sont beaucoup plus que. Parce qu'exactement probablement que dans certains pays euh, plus au sud ou peut-être euh, l'hygiène justement de, de, des cours d'eau est moins développée. L'hiver a ses qualités, ses défauts, mais on a la qualité d'avoir l'hiver et de pouvoir <laughs> se débarrasser de certaines de ces bactéries-là un peu l'hiver. Et bon, la leptospirose, maintenant qu'on sait que ça existe, maintenant qu'on sait qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'on peut la prévenir? Il existe des vaccins. En fait, euh, il existe, on peut vacciner votre, votre chien contre la leptospirose. Les chiens ne les vaccinent pas, bien sûr, vu qu'ils ne sont pas très euh, à risque. Euh, C'est important, ce, ce vaccin-là peut être donné chez votre vétérinaire. C'est un vaccin qui ne dure qu'un an. Et un an, 12 mois on, on parle en 10 et 12 mois d'efficacité. Donc, Donc on n'est pas sûr pour les deux derniers mois là, à exact, la fin de l'année selon les études épidémiologiques sauf que euh, c'est surtout l'automne qu'on voit dans des saisons qui sont pluvieuses et tout ça fait c'est bien de vacciner contre la leptospirose comme au printemps pour être sûr d'avoir une protection jusqu'à la fin de l'automne. Ce vaccin-là a eu bien mauvaise presse, en fait. Là, a eu, euh, les premiers vaccins qui sont sortis il y a plusieurs années avaient beaucoup d'effets secondaires. Donc, il y a des vétérinaires qui ont délaissé cette vaccination-là il y a des clients qui ont délaissé cette vaccination-là à cause des effets secondaires du vaccin. Mais maintenant, il y a des nouveaux vaccins avec ce qu'on appelle des nouveaux sérovars. En fait, la bactérie a, a, a plein de familles, Elle a une, une grande famille. Là. Elle s'est mutée finalement? C'est ça, fait il y a des leptospiroses qu'on appelle l'hétérohémorragie, il, il y a plusieurs termes là, de certaines leptospiroses. Et les derniers vaccins ont essayé d'aller chercher le type le plus de bactéries le, le plus possible qui soit ciblées pour, pour celles qui sont dans l'environnement beaucoup moins d'effets secondaires à ce que je vois moi du moins on le contacte moi et mes collègues à la clinique là on contacte beaucoup moins on constate qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires ce vaccin là fait qu'il faut pas hésiter protégez-vous protégez votre animal il faut aller euh, faire vacciner Ouais. Et on en profite, Nancy, pour rappeler euh, qu'il y a quand même des précautions de vaccination en général à prendre avec son médecin vétérinaire, pas seulement pour la leptospirose, mais que c'est important régulièrement d'aller consulter son médecin vétérinaire justement pour s'assurer que le carnet de santé de notre animal est à jour. Oui, puis c'est important quand vous allez vous présenter chez votre vétérinaire d'amener votre carnet de vaccination, euh, puis de voir une fois par année de voir si tout est à jour. Et ce qui est bien, c'est de, de discuter avec votre vétérinaire du style de vie de votre chien. D'accord? Est-ce que, est que moi, je vis en campagne? Puis peut-être que votre animal n'est pas vacciné contre la leptospirose. Peut-être que vous n'êtes pas à risque du tout. Donc, c'est d'en discuter et de voir là, euh, comme un vaccin contre la rage. Ça, c'est sûr qu'au niveau santé publique, le vaccin de rage, il est recommandé à tout animal qui se met le bout du nez d'or. Vraiment, là, le vaccin de rage, quand on parle d'une zoonose qui est importante, c'en est une. Euh, c'est important de vacciner contre la rage parce que c'est vraiment une maladie mortelle chez l'humain. Ça ne court pas les rues. Là. Il y a des cas de rage, il n'y en a pas à plein, mais tu sais, oui, il y a une petite recrudescence avec les ratons laveurs là, dans le coin de la Montérégie et tout ça. Il y a eu des cas en bosse. Il faut vraiment euh, être à l'affût. Puis ça, même un chat qui est à l'intérieur, Stéphanie, on va parfois recommander de vacciner pour la rage, pareil, parce qu'il y en a des petits chats qui sont très. Euh, rapides. Hein, ils peuvent eh se oui, sauver des, des, rapidement. Des <laughs> petits filous. Oui, c'est ça. Ou juste d'aller euh, avec votre animal dans un chalet où il y a des, euh, des chauves-souris. Ça, ça, ça peut être porteur de rage aussi. Hein? Donc, en, en gros, ce que, ce que tu me résumes finalement, c'est qu'on a quand même une, une responsabilité oui. publique en tant que propriétaire oui. d'animal anim, euh, de faire de la protection un peu collective finalement. Exact. De protéger contre ces maladies-là. Et si votre animal, c'est très grave aussi, si un animal mord une personne, s'il y a une morsure, euh, puis l'animal n'est pas vacciné contre la rage, honnêtement, vous pouvez vraiment avoir des problèmes là. Ça, c'est même pas les médecins vétérinaires qui s'en occupent, c'est les médecins humains qui s'occupent de ces cas-là. Puis euh, Votre animal peut être sommé d'être mis en quarantaine. ou tu sais, C'est important là, de, de certains. Il y a tout autre vaccin aussi qui existe, tu sais, là, contre le distemper, contre, euh, contre la toux de chenille. Fait Il faut en discuter avec votre vétérinaire et voir quel vaccin est adéquat. Pour votre animal. Vraiment. De toute façon, Nancy, de plus en plus, on le voit lorsqu'on veut, par exemple, apporter notre animal, euh, soit en voyage dans un autre pays. Oui. Exemple, on voudrait traverser la frontière aux États-Unis. Oui. Ou simplement laisser notre animal dans, dans une garderie pour chien pour quelques jours lorsqu'on part en vacances. Généralement, il peut avoir certains vaccins, certains éléments qui vont être exigés. Assurément. Nous, tous les animaux qui rentrent en pension... Euh, il, on exige d'avoir les vaccins, tous les vaccins, même allant jusqu'au vaccin de la toute chenille. C'est important d'être vacciné, protéger euh, la population canine. Oui, la, la, la population animale et par le fait même euh, nous-mêmes. Hein, parce qu'avec la leptospirose, voilà. on voit que ça peut avoir des conséquences ça, humaines également. Oui. Alors, Nancy, merci d'avoir été avec nous encore une fois pour cette émission. Et à vous, chers auditeurs, on vous dit bye-bye, à la prochaine.